Et du coup, bonjour, bonsoir, diffusion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Kingdom Hearts Melody of Memories pour le dernier épisode. Ne perdons pas plus de temps. Allons-y. Ah oui, cette musique, c'est vrai, j'avais oublié. Du coup, aujourd'hui, on finit le jeu et on fait la musique l'OP de KH3 si on l'a. Normalement, on devrait l'avoir, j'espère. Et puis, on s'arrêtera, hein. On aura fini. Et on fera aussi des petites hypothèses. Cette musique, quand il y a tous les personnages de Union Key ou je sais plus quoi, enfin le jeu mobile, qui se ramène et qui nous sauve. C'était un peu l'idée quoi. Oh. Tra musique quoi. Ah, j'ai trop envie de jouer à cash. Un vrai cache. Aïe 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 aïe. Par contre, on va peut-être le retry. Histoire d'avoir toutes les étoiles. De toute façon, il faut toutes les étoiles pour débloquer la cible du final. Donc, comme ça, ça réglera probablement le problème. Obtenir au moins 50% de notes excellentes multicolores. Ok, on le refera en standard du coup. Cinématique, je vous laisse. Darkness will prevail and the light expire. It all unfolded just as the Book of Prophecies foretold. But Sora refused to give up. His heart persisted against all odds. He used the power of waking and fought long and hard to save his friends. And so, the Light's defeat was overwritten, and the Guardians of Light reassembled at the Keyblade Graveyard. The deciding battle with the true Organization 13 was about to begin. As the battle raged, Terra, Roxas, and Shion were revived and joined the Guardians of Light. But Master Xehanort still succeeded in summoning the true Kingdom Hearts. To stop Kingdom Hearts from unleashing its power, Sora went to the ancient city of Keyblade wielders, Scala at Kailum, and the final battle began. As the fierce struggle ended, Master Xehanort gave up the Keyblade and abandoned his plans. Kingdom Hearts was sealed away. But it was still far from over. I had disappeared during the battle, and Sora was determined to bring me back. He set off on his journey once more, alone. Et c'est là que le DLC commence. Le DLC qui a été une petite déception pour moi, je vais pas vous le cacher. Bon, avant d'aller là-bas, on fait notre petit truc. Comme ça, on aura fait un petit
100% du jeu. Enfin, on aura eu toutes les étoiles, quoi. Mais oui, c'est là le DLC débute. C'est Sora qui revient dans le passé. Enfin, c'est un vrai bazar. Et du coup, attention, spoil fin de KH3. Regardez pas si vous connaissez pas KH3, même si vous êtes pas censé être là si vous connaissez pas les autres KH. Du coup, c'est Sora qui disparaît à la place de Kairi. Parce que du coup, il a utilisé quelque chose d'interdit. Et du coup, il se retrouve à Shibuya. Et pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'on sait de. On sait qu'il s'est sacrifié du coup pour sauver Kairi, quoi. Et on le voit disparaître d'ailleurs dans la toute dernière scène. Et du coup, ce qu'on sait aussi, c'est que du coup, Kairi a. Ça, je sais pas si. Je sais plus si on le sait dans le jeu ou dans le DLC. Mais en gros, Kairi, ils ont utilisé son cœur ou je sais plus quoi pour essayer de retrouver Sora en fait. Et du coup, c'est ça qu'on va voir dans la cinématique bonus. Enfin, là, on est en train d'examiner son cœur. C'est pour ça que c'est elle qui résume. Enfin, c'est ce que j'ai compris perso. Et là, on va savoir du coup ce qu'ils ont trouvé, je suppose, quelque chose comme ça. D'abord, le fait d'avoir acheté le jeu sur Switch, j'aurais pas les trophées PS4. Nous sommes tristesse. J'ai seulement de le réaliser, hein. Et du coup aussi, on suppose que Riku est parti à la recherche de Sora aussi. Je sais plus si je l'ai dit. Et il se retrouve à Shibuya. Et du coup, Sora est potentiellement à Shibuya. Parce qu'on l'a vu à Shibuya, mais... Du coup, c'est pour ça qu'on suppose que The World With You sera un peu le sujet... Enfin, sera un des trucs principaux de Cash. Enfin, futur Cash, quoi. Genre Cash 4 ou Cash... J'en sais rien, ils sortent des noms des fois. Bon, on verra. Déjà, là on va avoir des infos, là. On va avoir plein d'infos, là. Et voilà, on avait toutes les étoiles du jeu. On n'est pas les meilleurs, nous. Mélodie de la fin des souvenirs. Une fois que vous entrez dans ce monde, vous ne pourrez pas sauvegarder avant de l'avoir réussi. Y accéder malgré tout? Oui. Peut-être, ouais, cinématique directe. Je vais pas mettre la cam. Hein. Bon, je suppose qu'on a... Enfin, je... Là, actuellement, je suppose que Kairi est encore endormi. Je sais pas, en fait, je sais même pas si elle va se réveiller. Je sais pas si on va la voir se réveiller à la fin ou j'en ai aucune idée.
Tout ce que je sais, c'est qu'on doit être encore dans sa tête. D'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'on est PV d'ailleurs. Ça se trouve, faire un perfect. Tiens, tu notes, t'as perdu. J'en sais rien. Pas trop dur. C'était clairement pas très dur. Hein. Le jeu, il a mis option. Ouais, vous pouvez pas revenir et tout. Ok. This world will be engulfed in darkness. Everything you care about, and everyone you love. If you truly possess the power of a princess of heart, your heart will resonate with the Keyblade wielders, and I believe you can lead me to that wielder's world. That is the only possible way to save ours. You see, this is more than an experiment. It's hope. Like most, you probably believe that nothing exists outside of this world you live in. And yet, there are countless other worlds. You can see them sparkle brilliantly in the night sky. Through that sea of stars, fate will guide your ship to where you are meant to be. However, if you arrive in a world that's neither of light nor darkness, but somewhere on the other side, your task will be far from easy. If that happens, you must abandon your search. We have failed. Je sais pas trop ce qu'on est censé comprendre. Du coup, Kairi, elle a fait une expérience.
faille d'expérience. Pour l'instant, c'est très difficile de... de vous dire ce que j'ai compris, quoi. Donc là, bon, c'était avant... Enfin, c'était pendant la période Birth by Sleep, hein, elle était petite encore. Pour ça, c'est dur de... c'est dur de faire des hypothèses pour le moment, mais là... je suis dans le flou. Je suis dans le flou. Et je sais pas pourquoi ils nous montrent ça maintenant, quoi. Surtout. Ah, c'est peut-être retrouvé à Shibuya aussi, hein, je me dis. Ah, c'est peut-être ça le lien. Comme il disait, si tu te trouves pas dans un monde des ténèbres ni de lumière, la tâche sera plus ardue, je sais pas quoi. Est-ce que ça serait pas dans The World Unwise You, du coup, qu'elle s'est retrouvée. Enfin, dans à Shibuya de The World Unwise You, plutôt. C'est curieux. C'est très curieux. Are you? Show your face. Not so fast, my dear. You're the one who keeps messing with my fate. If it weren't for everything that you've done, then Sora and everyone would be safe. Even if you're not really here, and this is just a memory or illusion, I won't let you walk away. You're right, I set you adrift in another world and drastically altered the course of your fate. In the end, you were destroyed by my hand, paving the way for Sora's disappearance. You've become quite the Keyblade wielder. For a retired master, Jens had prepared you remarkably well. This world was created from the memories contained within your heart. You seek clues to Sora's whereabouts by using your memories of him to search through your own heart. But there's nothing for you to find here. I'm afraid the answer you seek lies in memories that are long gone. I have had enough of this!
joined us. As I thought, your voice can't reach us here. Now I'm certain of where your heart is. Ça n'a aucun sens. Ce qui est en train de se passer n'a aucun sens. Bon, last fight, je suppose. En plus, ce que je comprends pas, c'est que... Bon, certes, c'est un souvenir à tout, mais Xehanort, c'est entre guillemets répenti. Je trouve ça bizarre que... On l'affronte, du coup. Je sais pas, c'est bizarre. Oh, c'est stylé, ouais. Ok, c'est hardcore. Moi, je vais tout prendre dans la tronche. Piou, piou, piou. Ouais, je meurs là-dessus. Ok. Vas-y, on retente. Hein. On retente en expert, on essaye. Hein. J'aimerais bien réussir à finir ça en expert. Ce serait cool. Bon, Kairi est devenu... Enfin, Sora est devenu Kairi. Non. Je me suis mal exprimé. Sora... Enfin, Kairi est devenu Sora, voilà. Wow, c'est ultra dur. Ah, faut connaître par cœur. En fait, c'est surtout ce qui est dur, c'est le triangle. En fait, c'est le fait de devoir appuyer sur triangle, ça m'oblige à lâcher A et A, j'en ai clairement besoin. Pas A, les joysticks plutôt. Enfin, le joystick droite du coup. Pas mal. J'ai tout raté, mais ok. C'est un peu mieux cette fois-ci. Je vais me prendre. Hein. Joli. Ah, pas mal. Non! Ah, j'étais presque! J'étais presque! Vas-y, on retente. Retry. Die and retry. On peut le faire, je pense qu'on peut y arriver. Juste faut que je me concentre. La musique est stylée de ouf. Hein.
Le plus dur, c'est vraiment ce passage-là. Le passage-là, il est hardcore, je trouve. Genre, ça m'a enlevé autant de vie. Oh, l'a bu. Oh, l'a bu. Dommage, le bâtard. Mais non mais... Oh j'appuyais pas... Vas-y retry. Oh putain je peux pas retry. Bon on va le faire en standard en vrai. Je le ferai une autre fois en expert. Quoique ça peut peut-être passer en vrai. Go focus. Mais j'appuie, je comprends pas. Il y a plein de fois où, là toute la fin, là, genre, j'ai appuyé à chaque fois, et ça voulait pas, genre, ça s'activait pas, je comprends pas. Bon, je pense que j'aurais pu réussir, hein, clairement. Là, encore quelques tracks, ça passait, mais ça commence à me saouler, et j'ai pas envie de rager. Je pense que c'est abusé la vie que j'ai perdu sur le premier truc critique là. Ça a rien à voir, c'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple. Oh, je suis sûr que j'aurais pu le passer. Oh. J'ai pas envie de rager. J'étais en train de... Je bouillonnais à l'intérieur, je vous avoue. Oh, c'est abusé la différence de difficulté quoi. J'ai l'impression d'être en débutant. J'ai l'impression d'être en débutant. J'ai trop le seum, j'étais vraiment à la fin de la fin quoi. Bon, vas-y comme ça.
you, Sara. On the day that I sent you out from your world. Do you remember what it is I said to you? Those words hold the answer you seek. I may cause you to suffer, but I am a product of your heart. For that reason, I shall give you your answer. Before, when my heart and body were still united as one, I told you about what would happen if we were to fail. If you arrive in a world that's neither of light nor darkness, but somewhere on the other side, your task will be far from easy. That is the answer I have for you. What does that mean? If you arrive in a world that's neither of light nor darkness, but somewhere on the other side, your task will be far from easy. Yes, he said that's the answer. Not of light or darkness, but on the other side? I've never heard of a place like that. Something else he said perplexes me. Your voice can't reach us. I'm certain of where your heart is. You would assume that he's referring to the realm of darkness, but that clearly isn't the case here, wouldn't you say? Where voices can't reach. The other side of our world. Of reality. Unreality. A fictional world? Fictional? I'm afraid such mysteries are beyond our comprehension. Maybe Mickey or Master Yen Sid knows. Any news? Riku! Oh, Kairi, you woke up. Yeah, just now. How come you're here? Well, actually, I found some info about Sora. Really? We got something, too. You did? Oh. Oh, excuse me, dears. I certainly didn't mean to startle you. If you're not expecting magic, it can be a surprise. No kidding. Now then. I am the fairy godmother, and it's a pleasure to meet you all. She came here at Yen Sid's request. He said she's got a clue that might help us find Sora. Yen Sid sent you? That's right. To find Sora, we need three keys. First, Riku, and then, of course, there's you, dear Kairi. Okay. With Riku's dreams and Kairi's memories, you two have already done your part. Kairi's memories? Yes. We performed an examination of Kairi's heart and obtained an important clue from the lost memories it contains, which is that there's another world on the other side of ours that's not of darkness or light. Riku, what did you dream? Oh. Well, since Sora disappeared, I've been having dreams about a large city with tall buildings. Apparently, that's the clue. A city? Maybe that's what Xehanort was talking about. A fictional world. A fictional world? Yes, perhaps. The three realms of our world. Light,
darkness, and between. These are all places we can travel to, because they are on our side. This also includes the worlds of memories, data, and dreams. If I am correct, then this other side of our world, from which voices cannot reach, must be a place outside of our reality. Namely, it must be unreality, or fiction. But that is the extent of our knowledge. So I thought we should go to Mickey and Master Yen Sid to ask about it. I'm not quite sure they'll be able to help you, my dear. Then what now? Oh, you forget. There are three people who hold the key. There's still one more. One with a strong will and a very precious dream. Who is it? You'll see. I'll introduce you. Huh? Whoa. This place. You know it? Yeah. I came here with Sora, and also in my dreams while I slept. This is the final world. But there's no one here. That's not true. Why don't you look closer? Huh? The stars. I never noticed. Yes. Strong hearts gather here after death, until they are ready to move on. I'm sure she's around here somewhere. She? The final key. Huh? We found you. We've been searching all over for you, my dear. Do I know you? I'm Kairi. It's a pleasure to meet you. You're all able to retain your appearance in this world. I met someone else who could do that. So she's the final key? That's right, dear. Now we finally have all three. But how exactly can she help? It's simple. She came from the world on the other side. What? Huh? You see, she's very special. Her form was taken from her, but she managed to find her way here. If she goes back to her world, her heart will certainly be stolen. Right, dear? Oh, yes. It seems you know a lot about me. A little. And I would use my magic to change you back if I could. But I'm afraid that's impossible while you're in this form. Don't fret, though. I believe that we'll find a way to make your dream come true very soon. My dream? Come true? I want to help make that happen. Will it lead us to Sora? Oh, I'm afraid it's not that simple. First, we must get to her world. She can open a path for us, and you can use the power of waking to go there. The power of waking? Sorry, but did I hear you say Sora? Huh? Wait, do you know him? Yes. He was here.
He encouraged me not to give up. Did something happen to him? Yeah. Sora disappeared. He's a good friend of ours. So we've been looking for him. Right now, we think he's in a big city full of tall buildings. Ring any bells? A city full of tall buildings? Quadratum? Huh? It has more skyscrapers than any other city I know. That must be it. Quadratum. Is that where Sora is? There's no way of knowing. But I believe it is possible. All right. Think you can help us? I'm not sure exactly what's happening. But if Sora is in trouble, I want to help. Please let me know what you need from me. Thanks. I'm afraid this is as much as I can do. It's up to you, Riku, to take care of the rest. I want to go. Kairi, that's not... Yeah, I know. I want to go with you. But... I know that I can't. I need to finish training. I need to become stronger. And when I do, I'll be right there next to you and Sora. Good. But first, I'll go explain everything. To Donald and Goofy, and to Mickey and Master Yen Sid. Be careful out there, dear. And try not to do anything too reckless. Come straight back if you encounter any trouble. I will. Oh non! Ah, c'est la fin! Je pensais qu'on allait continuer avec Riku. Je reste un petit peu sur ma faim. Hein. Mais en fait, juste, ça nous a montré comment Riku s'est retrouvé là-bas, quoi. Pour ça, on l'avait compris qu'il allait être à la recherche de Sora. Alors, j'ai eu un moment d'illumination, mais je ne pense pas que ce soit le cas. L'étoile, c'est pas Shiki de The Horn and With You? Je pense pas, parce que donc, clairement, enfin après, pendant un instant j'y ai cru, mais après, pour moi c'est pas elle. À mon avis, c'est une. C'est une des personnages principales de Union Key, enfin le jeu mobile, je pense. Mais je crois qu'on. Je crois qu'avec tous les indices qu'on a, on le sait. Mais comme je me souviens plus trop de ce jeu là, ça me. Je sais pas. Et du coup, il faudrait que j'aille voir sur internet un peu tout ce qui se dit. Pardon. Bon, du coup, on sait. Prochain cache, on sait comment ça a commencé. Hein. Cassez-vous, je m'en fous de vous. Ce sera. Je pense qu'on jouera Riku instant. Genre, dès qu'on va commencer le prochain cache, on jouera Riku. Je suis quasi sûr de ça. Je suis un petit peu déçu. Je pensais qu'on allait voir un peu plus. Enfin, je pensais qu'on allait voir après.
Après que Riku y soit. Mais après, il y a peut-être un petit truc post-générique. Hein. Il y a souvent un truc post-générique dans les Kingdom Hearts. Ouais. On va aller voir s'il reste une cinématique après dans le... Dans le menu, là. Enfin, on peut voir les scènes. Bon, on a eu plus de détails quand même sur ce qui s'est passé à la fin de KH3. Mais j'ai l'impression que Square Enix, là, ils nous sortent des jeux juste pour ça, quoi. Genre, juste pour détailler la fin de KH3. Et c'est un peu dommage, pour le coup. Genre, ils nous ont sorti DLC. 4 heures de DLC pour finalement 30 minutes de cinématique bonus, quoi. Parce qu'on se retape toute la fin du 3, quoi. Après, limite cut, il y a 2-3 trucs en plus, mais c'est minime. Et il y a... On peut mourir ? Non, on n'est même pas obligé de taper. Et du coup, il y a eu le DLC, puis il y a ça derrière qui nous rajoute encore une fois juste quelques petits détails, quoi. Pour préparer le prochain cache. C'est un peu dommage de faire ça, je trouve. J'aurais largement préféré qu'ils nous balancent le 4... Enfin, pas le 4. Enfin, genre, du coup, ça a retardé le 4 pour moi, enfin, je suppose. Enfin, quand je dis le 4, le suivant principal, je veux dire. Le 4. Enfin bon. C'est quand même sympa, refaire les musiques. Bon, j'ai pas fait ça que pour les cinématiques, hein, parce que sinon j'aurais regardé sur internet et puis basta. Hein. Mais j'avais quand même envie de refaire les musiques et tout. Donc, enfin, de faire refaire la musique. De réentendre les musiques, du moins. Enfin bon. Bon, t'as toujours pas eu la musique Face, hein. Enfin, j'appelle Face, je sais même pas si ça s'appelle comme ça, mais... L'opening de KH3, on l'a toujours pas eu. Ils ont intérêt à le mettre. Et voilà, quoi, bon. Ah, pour le coup, il n'y a pas trop d'hypothèses à faire, parce qu'en fait, à part l'identité de la madame, de l'étoile, il n'y a rien, quoi. Enfin, genre, on savait presque tout ça, quoi. C'est juste qu'on a eu plus de détails, finalement. Je réfléchis, mais à part le Ansem, enfin, le Xehanort, le Terranort, si vous préférez, qui a mis Kairi dans la machine, là, à part ça, bon, le reste, on l'avait supposé, quoi. C'est un peu dommage. Ouais, vivement qu'il y a suite, hein. Je reste énormément sur ma fin, quoi, je vous avoue. J'aurais vraiment aimé voir Riku dans le... Dans... À Shibuya, là. Enfin, ils ont appelé ça, je sais plus comment ils ont appelé ça. Mais voilà, quoi. C'est dommage. Ils auraient pu nous en dire plus là-dedans. Et verdict, après, d'ailleurs, reparlons de ça pour le qu'on y est, hein. Verdict, le jeu ne vaut pas 60 euros. Franchement, non, il vaut pas 60 balles. Genre, KH3, je prends l'exemple de KH3, mais KH3 qui est à 70 euros, je crois, tu rajoutes 10 balles, t'as un vrai jeu, là c'est juste un jeu de rythme. Bon, encore une fois, ceux qui aiment les jeux de rythme, je vais pas dire que, voilà quoi, mais Guitar Hero, quoi, c'est, franchement, comparé à Guitar Hero, ça, voilà quoi, Guitar Hero est 10 fois mieux. Je suis pas un grand fan de Guitar Hero, mais, enfin bon, voilà, c'est que mon avis, après, il écoute 60 euros que 60 euros, c'est comme ça, hein. Mais pour moi, ça vaut pas le coup. Regardez les cinématiques et... Et voilà, quoi, c'est tout. Pour moi, le jeu ne vaut pas le coup d'être forcément acheté. Bon, ça peut être sympa, à deux, peut-être. D'y jouer à deux, mais... Pour le coup, je suis... C'est pas... À l'inverse d'Aven, que vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés à 100%. Cache Melody of Memory, bon. Pour moi, il vaut pas le coup d'être acheté, je vous le dis.
Après, c'est peut-être parce que je suis déçu de la fin. Mais... C'était sympa à faire, mais sans plus, quoi. Enfin, il coûterait 40€, ça irait, tu vois. Pour moi, 40€, c'est bien. C'est 60 balles, tu rajoutes 20 balles pour ça, quoi. Oui, je suis un peu étonné que le truc... Voilà, ça vaut pas 60 balles pour... Bref. Pas générique. Oh, il y a vraiment un truc. Went alone? But that's way too dangerous. I have to go after him now. Do not be hasty, Mickey. But Master Yen said he's all alone in a world we know nothing about. Precisely. We have never faced something like this before. Which is why we must remain calm. But... Kairi, this information you bring us, it comes from Xehanort during his time as a researcher? Yes. Then that means he must have been aware of this other world for quite some time. But... We defeated Xehanort. Is there anybody else we can ask? When I was still serving as a Keyblade Master, it was known that the ancient masters had crossed over into another world. I surmised that Xehanort looked more deeply into that world. The ancient Keyblade Masters? For now, we must reach out to those in Radiant Garden, the Land of Departure and Twilight Town, who are searching for Sora, to inform them of what we have learned and have them halt their respective efforts. Donald, Goofy, I leave this to you. Yes, sir! Yes, sir! And Kairi, will you continue your training as you were before? Actually, I'd like to study under Master Aqua. That is an excellent idea. I approve. Thank you. And you, Mickey? Yes! I task you with the investigation of this new world and how it is related to the ancient Keyblade Masters. But how? You'll begin in the world of Scala ad Caelum. Je suis encore plus déçu. Je voulais voir. Ils ont. Ah. Bon. Un peu. Bah, bon, tu dis ça, mais à la fin des caches, on se retrouve avec Yensid souvent. Hein. C'est souvent le cas. Je vais remettre la cam. Du coup, voilà. Attends, je vais pas la mettre de ce côté-là. Je vais la mettre là. Du coup, difficulté contre Mexarnord standard. Bon, j'aurais bien aimé le claquer en expert. Hein. Équipe la plus utilisée. Équipe classique, 255 fois. Que ça compte pas les retries, je pense. Enfin, genre ce que j'ai recommencé beaucoup de fois pour les étoiles. Difficulté la plus jouée expert. Ennemi vaincu, 35 000. Morceau déverrouillé, 148 sur 150. Donc, on en a deux autres. Bon. Je pense que du coup les 150 c'est... Enfin les 150 comptent aussi les doubles, les doublons. Progression dans la tour des mondes, on a tout fait. Progression dans les archives, on a tout fait. Temps de jeu, 17h50. Voilà, 60 balles pour 17h50 de jeu. C'est un peu comme Resident Evil 3, je crois que c'est le 3, hein. Avec Mr. X. Qui est en ultra moche là, enfin qui se transforme et tout là. Alors, 60 euros pour 17 heures de jeu. Bon, après, bien sûr, si on prend en compte
Ok, donc ça c'est le morceau Xehanort. Ça, je sais pas. On va les voir. Ok, c'est deux morceaux qui me manquaient, je suppose. J'espère qu'il y a, l'OP de KH3, hein, s'il vous plaît. On se met là. Vous déverriez toutes les vidéos des archives. Ok. Vous êtes un meilleur jeu et regardez la fin. Très bien. Alors, galerie. Après, si on prend en compte le vrai 100%, genre tout avoir en expert plus, enfin tout avoir en plus, en expert, en standard, en moyen, enfin en débutant, toutes les connectables, etc. Bon, là, effectivement, t'en as pour Santerre. C'est comme Osus, le truc, il est infini. Hein. Ah, c'est vrai qu'il y avait... Ça, c'est du coup, c'est cinématique qu'on a dans la musique. Mais du coup, sans l'aspect... Il y avait ça. Ah oui, ok. Et sans, du coup, le gameplay, je suppose. Pour moi, c'est ça. Ok, c'est pas vraiment ça que je voulais voir. C'était surtout les cinématiques... Archive peut-être. Ouais. Ok, du coup, ce qu'on a vu. Ça, c'était le résumé. Ça, on est arrivé, ok. Bon, il y a ça qui a été important. Après, ça nous indique ce qui va se passer par la suite. Un peu comme la fin de Burst by Sleep 0.2, c'est que... ils nous disent un peu où va... qui va où. Où va qui. Où va King. Où va King. Où va King. Nanana nanana. donc ça a quand même son importance, ça aussi, mais après ça, bon, on se doutait plus ou moins, quoi, enfin, c'est un peu dommage, je pensais vraiment qu'on allait vraiment avoir de grosses infos, là, à part Mickey qui va à la zone de fin de KH3, bon, ça nous a rien apporté de plus, hein, on savait déjà tout ça, et aussi quelques peut-être petits indices qui nous a permis de savoir qui est l'étoile là. Enfin bon, je vous propose, avant de s'arrêter, d'aller checker les deux musiques qui nous manquent, de les faire. Comme ça on aura tout fait. Et puis on s'arrêtera là. Avant, mettez-moi l'opening de KH3. J'ai payé ce jeu, pas 60€. 40€, parce que il y avait l'air duc. Mais si vous mettez pas l'opening de Kingdom Hearts, c'est un scandale. S'il vous plaît. Je suis en train de regarder les deux musiques qui nous manquent. Faut les trouver. C'est pas ça. Bah, de toute façon, on a débloqué... Il y en a une des deux, c'est forcément Xehanort, c'est sûr. Je sais pas pourquoi je cherche partout, je suis sûr que c'est dans KH3. Du coup, c'est tout en bas. Bon, celle-là, on l'a fait. Attends, on vient vraiment de débloquer ces deux-là, là. Oh, c'est un scandale, en vrai. Oh, j'ai même pas envie de la faire. On est d'accord que c'est la même. Hein. Oui, clairement, oui, ok. Bon, on la fait même pas. Hein. C'est un scandale en vrai. Attendez. Une musique plus cool là. Celle-là, non, pas celle-là. Elle est où? Bah elle est où? Ah là. Attends, je regarde, je check. Hein. Hop. Médecin. Opening. KH3. Non, ils en parlent pas. C'est sérieux? Eh, je suis...
Je suis sur le cul là. Vraiment. C'est... Ouais, Ouais, ok. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient nous faire ce coup là. Tout l'univers du jeu quasiment, mais rien en vue sur les openings, sur les synthèses, j'ai retrouvé. Avec les points de rythme, donc il faut jouer et ça arrivera. J'ai pas mémoire du nombre exact, pas c'est bien. C'est les blocs à 20 000 points, ok. Ah, donc il y a peut-être KH3 du coup, mais il me faut plus de points. Parce qu'il disait. Ah non, 150, on a 50 musiques, ouais. C'est quoi ça? C'est quoi ce jeu? On est d'accord que je l'ai pas, hein. On est d'accord que je l'ai pas. Non, je l'ai pas, mais ils se sont foutus. Si c'est dans Wikipédia, je sais pas trouver. Attention à la fausse note. Ah oui, ok, je demande. Ouais, bon. Bon. Coucou Camino. Chiquet de KH3. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est la musique, c'est l'opening, c'est ça? Ah non, oui, non, c'est la ending. Et bah tiens, revoir la rediffusion comme tout le monde. Bon, allez la rediff. J'espère que le jeu vous aura quand même plu. Hein, moi, petite déception de ma part. Je vous dis du coup à la prochaine pour une nouvelle rediff, tout ça, tout ça. Et puis à la prochaine. Bye bye.